Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Cénandron pour le cinquième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband. Allez, on y retourne. La dernière fois, c'est celui-là, on s'était attaqué à une bande de pillards pour le compte du maître de guide, c'est ça, de Duxal. Duxcal, bon, on va y arriver. Et ça s'était mais vraiment super bien passé. On avait tout déchiré, on avait tout défoncé, c'était génial. Ah, bah j'ai perdu 92 deniers. Parce que la semaine est passée et je n'ai pas de fief, donc je n'ai pas de revenus positifs. Alors, on va se rendre dans les rues. On va essayer de retrouver le maître de guilde pour lui dire qu'on a bien géré le poney, là. Alors, faut que je le retrouve, je crois qu'il est là. C'est ça. Maître de guilde. Alors, j'ai tué quelques pillards. Donc mes éclairs ont tout vu, nana, à l'avenir, quiconque voudrait passer hors la loi devrait y réfléchir deux fois. La prime est de 40 deniers par bande, ouais, ça fait 160, c'est pas génial. C'est déjà pas mal. Bon. Il n'y a pas une autre mission? Non, bah non, il n'a pas envie de me reparler. Alors, il n'y aurait pas quelque chose à la taverne? Les payistes mercenaires, voyageurs. Ah non, il n'y a personne, c'est bête. Alors, est-ce que j'ai pas d'autres missions? S'occuper des pillards? Oh, il n'y en a plus autour. Ils sont tous barrés. Mon groupe. Ah si, j'ai 8 pilleurs, faudrait que je m'en occupe. Faudrait que je m'en occupe. Je suis 20 sur 53. On est 20 plus 8, c'est ça? Ouais, 20 plus 8. Mon personnage est bon, nickel. Ce que je vous propose, on va aller voir à Suno s'il n'y a pas des quêtes. Parce que l'objectif, c'est clairement faire monter notre renommée à mort, parce que nous sommes nobles. Donc c'est pas trop compliqué de devenir vassal d'un roi, mais ce qu'il faut, c'est que je monte ma renommée. Renommée 121? Ah, je pensais que j'avais moins. Ouais, c'est marrant, je pensais que j'avais bien moins. Parce que je pense que c'est parce que je suis noble. J'ai jamais fait de partie en tant que noble, de base, même un noble pauvre. J'ai toujours fait des parties avec plus un roturier au tout début. Et donc du coup j'ai aucune renommée, rien du tout, pas d'étendard, que dalle. Du coup, attendez, on va voir si on peut pas recruter des volontaires. Oula. Ouf. Piège. Et vous faire tous, boum, dans le pied. Ça c'est marrant, j'avais encore jamais eu ça. Boum. Oh. On part. Oh. Couler stock. Oh. Boum, j'ai paré. Boum. Je vais briser ton bouclier. Boum. Et en plus je suis niveau 6. Ah merci, t'es sympa comme pierre, tiens. Et du coup je fais quoi? Les bandits tombent devant vous comme les blés sous une faux. Vous vous retrouvez rapidement seul dans les rues, tandis que la plupart de vos assaillants gisent par terre inconscient. Ouais, ça faisait deux quand même. Mort ou inconscient. Mort ou mourant. En fouillant les corps, vous trouvez une bourse pour avoir appartenu à une présente victime. Et là... Ok, d'accord. 243 points d'expérience. Pas mal. Et donc du coup, j'ai monté de niveau. Bah on va monter l'intel. Du coup, on a deux points de compétence à mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre chirurgie, non. Premier secours, pas trop. C'est... Les héros gagnent 5% de leur point de santé perdu pendant une mission par niveau de compétence. Ouais, c'est pas trop mal. Je crois qu'il faut plutôt que je mette... attendez que je le retrouve. Sens du commandement, ça va être important pour plus tard, parce que ça augmente la taille de la troupe, etc. Et puis c'est très important. Parce que du coup, après, ils sont plus contents, le moral augmente, sinon en fait, je suis pas un bon chef. Et ils font n'importe quoi. Équitation, peut-être pas. Pillage, non. Pistage. Non, pistage, c'est nul. Tous les deux niveaux de compétence, ok, nena, je cherche en fait, je cherche simplement. Puissance de frappe, on va augmenter l'attaque à mort. On va monter l'arbalète aussi. Parce que du coup l'arme à une main elle monte toute seule. Alors est-ce qu'on peut pas retourner, recruter? Voilà. Alors ça c'est qui? Sir Rhys. Bonjour. Alors, j'ai quelque chose à vous demander. Je veux savoir sur quelqu'un, le roi Arlos. Praven. On ira voir à Praven. Faut vraiment que je sois copain avec le roi. C'est le plus important. Alors, visiter la taverne. Il n'y aurait pas un guetteur. Non, c'est pas ce que je cherche. Ah, il n'y a pas de...
chasseur de primes ou un truc, non pas chasseur de primes, de revendeur de d'individus, enfin de d'esclaves. Du coup, je pourrais lui donner les huit prisonniers, sinon ils ont tendance à se barrer au bout d'un moment. Alors attendez, je regarde. La nourriture, ça va. Ouais, ça va. Alors. Rapport, ouais. Bon, allez, vas-y, file. On va encore assez vite, parce qu'après, les troupes, plus on augmente, mais on va vite, logique, hein, parce qu'on n'est pas tous à cheval, et du coup, on peut pas tous aller à la vitesse du vent. Alors, Sir Rochabert, le roi Arlos. Nia, je viens vous offrir mon épée en signe de vassalité. Oh. Ah, tiens, il y a une quête. Tu as 4 relations neutres. Oh, c'est pas génial. Il va falloir encore augmenter. Il est au château de Grunwalder. D'accord. C'est parti. Alors, château de Grunwalder, il est où? Il a dit que c'était au royaume des Rodoks. Les Rodoks, je crois que c'est des vers. Non, attends, c'est là? Oh mon dieu. Bah, j'espère qu'il sera encore là quand j'y arriverai, hein. Mon dieu. Allez, on y va. Ah, je vais mettre une journée pour y arriver. Super long. Ah, par contre, faut rester éveillé parce que si on tombe contre des bandits des forêts là. J'aime pas trop passer par les forêts, honnêtement. Sir Glay, fait prisonnier par le royaume des Rodoks. Non, on n'est pas en guerre contre le royaume des Rodoks. Oh mon dieu. J'espère que je vais pas me faire attaquer parce que j'ai une toute petite troupe. Hein. Grunwalder. Ouais, ça va, c'est pas comme s'il demandait d'aller par ici, hein, par exemple. C'est pas non plus trop loin. Et pourquoi tu fais pas le tour par les ponts là? C'est peut-être plus rapide, non? Je sais pas. Ouais. Pas non plus une efficacité monstrueuse, hein. Allez, va plus vite. J'ai pas envie qu'il se barre, en fait, le seigneur que je vais aller voir, parce que sinon, je vais devoir le courir après, il n'y a rien de plus casse-pied. Heureusement que j'ai combien de temps? 39 jours. Ça devrait aller. Nomar. Allez. Il faudra aller voir à Veluca aussi, s'il n'y a pas des... S'il n'y a pas des revendeurs... d'esclaves. Ah, il y a une armée de... C'est pas lui? Attendez. Ah, zut, on l'a plus. On l'a plus, on l'a plus. C'est Comte Falsevor. Ah, il est toujours là. D'ailleurs, il s'est fait enfoncer. Une entrevue avec le Comte Falsevor. Machin, je suis dans le crisis. Nickel, Warlos 4. Allez hop, retour à Praven. Bon, ça va, c'était pas si loin en fait. Voilà, nickel. Il y a les caravanes. Donc je lui demande si on est en guerre contre qui. Royaume de Swadia et Rodoric ont fait la paix. On est en Swadia, hein, c'est bien ça. Ah bah d'accord, on était en guerre. Jusque là. Bon. Tout est bien. Bandits des forêts. Tiens, on va se faire les bandits des forêts. Si on peut les rattraper. Je suis à 5-5. Cible perdue. Zut. C'est à cause de la nuit, ça. On va retourner à Praven, alors. Ah, c'est bête que la nuit soit tombée, parce que j'aurais bien poursuivi les bandits des forêts, quand même. On dira voir à Praven si le maître de guilde, il a pas une quête pour nous. Ah, des pilleurs! Ils sont des prisonniers. Ah, cible perdue. Si, j'ai retrouvé la cible. En plus, ils vont dans la bonne direction. C'est sympa. Vous allez vous faire choper, de toute façon. Rendez-vous, vous mourrez. C'est parti. Ah, renommée associée 0. Par contre, on a un sacré avantage de combat. Allons-y. Ah, faut que je les trouve. C'est pas gagné. Où sont-ils? Ah bah ils sont là. Ouh, tire à la tête, mon dieu.
Lâchez-moi. Boum. Ah, lâchez-moi. Voilà, ça y est. Bon, on a gagné. Trop fort. Prisonnier sauvé. Bon, bah, je vais peut-être pas recruter des fermiers ni des paysans, ça sert un peu à rien. C'est un peu de la bouse, tout ça. Ouais, c'est de la bouse. 25 deniers. Bon, c'est pas génial non plus, mais là, je retourne à Excal du coup. C'est mieux que rien. Il y a des bandits des forêts. Alors, retournons à Praven. Ah ben ça sert à rien. Ah flûte. Ça sert à rien du tout. Bon bah on peut retourner à Excal alors. C'est bien ça, c'est Excal. Bon on le fera peut-être plus tard, hein, parce que ça sert un peu à rien. On va retourner à Praven vraiment et on va aller parler au maître de guide. Du coup. Arrête pas de faire des allers-retours là. De toute façon c'est ça au début, hein. On court pas mal. Hein. Et encore plus quand on est en guerre. Hein. On finit par courir à mort. Alors, Warlow aussi, toujours là. Visiter la taverne. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Ah, un rançonneur, ça y est. Alors, j'ai des prisonniers à vous vendre. Hop, voilà. On a vendu plein de prisonniers. Il y a un garde de caravane. Ouais, 1220, t'es malade. Coûte super cher. Alors, le roi Arlo, s'il te plaît, file-moi une quête, file-moi une quête, file-moi une quête. Aucun seigneur ne devrait avoir à admettre cela. Nana, j'étais en train de m'examiner les soldats et certains d'entre eux ne savaient pas par quel bout tenir une épée. J'ai besoin de quelqu'un pour les remettre en forme. Mais vous, un garni de renonce, seigneur d'Ancasis, entraînerez-vous certains des soldats pour moi. Je vous en serai très content. 5 chevaliers soidiens. Oh mon dieu. Va falloir faire du fight. Hein. Ça va pas être facile du tout. C'est le niveau maximum. Il m'en faut 5. Oh my god. Alors, on va demander au maître de guilde, du coup, s'il a pas des quêtes, parce qu'il va falloir se battre. Hein. Là, au moins, on a un objectif, c'est se battre beaucoup. Alors, fabricant d'armes, c'est pas ça que je cherche. Je crois que c'est le marchand de biens, là-bas. Je cherche le maître de guilde, les gars. Et dites-moi où il est, sinon je vous tire dessus. Marchand de chevaux. Ah, je suis pas au bon endroit. Hop, se promener dans les rues. Du coup, c'est nos re-TP, c'est pratique. Et peut-être plus par là. Non. Oh, c'est casse-pied de devoir chercher comme ça. Maître de guilde, on peut pas le choper tout de suite. C'est pas toi? Oh, ça serait trop beau. Vers le donjon, geôlier. Non, c'est pas toi. Là-haut, attendez deux secondes. Excusez-moi, ma mère m'a dérangé. Encore une fois. Garde du château. Maître de guilde. Oh bah dis donc, t'es loin toi. Comment se passe le commerce ici? Cours de laine, fer, peau, raisin. Oh, d'accord. Ok, d'accord. Un terrain dans ce bourg pour une entreprise de production. Ah oui. Alors l'histoire du terrain pour une entreprise de production, pas facile. Bon, on fera ça plus tard. Avez-vous un travail pour moi? Je cherche un homme fiable pour se charger d'une mission importante. Un groupe de bandits a enlevé la fille d'un de mes amis et la retient contre une rançon. Mon ami est prêt à les payer, mais nous avons toujours besoin de quelqu'un pour apporter l'argent à ses fripouilles et pour ramener la jeune fille en le sûr. 560 deniers, je peux vous donner cet argent, ça va peut-être faire cette quête. Vous avez 15 jours pour apporter l'argent aux bandits qui ont près du village Célèze. Ces sales chiens ont dit qu'ils allaient tuer la pauvre fille s'ils n'obtenaient pas l'argent à temps. Ok, d'accord. Bon bah allons-y. Peut-être qu'on va devoir se battre, du coup, ce serait sympa. Faut aller jusqu'à... Je cherche. J'espère que c'est pas trop loin. C'est... Chélez. Il est où, Chélez? Vous le voyez, vous? Ah, je cherche, hein. Chélez. César. Knemar. Bah, il est où? Il doit être sous mon nez, mais je le vois pas du tout. Chid. Chélez.
Chélez, c'est où? Appartient au contrôlant du royaume Brodok. Jelkala. Jelkala. C'est près de Jelkala. Jelkala. Je trouve même pas Jelkala et... Ça appartient au royaume des... Ah, c'était Rodok. Pas y arriver. Rodok, c'est eux. Bah, ils sont... Attends, c'est Chaise ou Chaisa? Décidez-vous. Ça doit être Chaisa. Ah non, c'est Chelaise. Oh mon dieu, c'est super long. Bon bah, hein. C'est ce qu'on va faire, hein. Ça va être long. Bah allons-y. Allons-y. On est parti. J'espère qu'on rencontrera 2-3 bandits parce qu'il faut du coup bien s'entraîner. Parce que nous avons des milices. Des fantassins. Bon en gros, il faut tomber. Il faut arriver à faire 7. 5, c'est ça? 5 chevaliers. C'est pas facile, honnêtement. Et en plus, j'aimerais bien les garder, ces chevaliers. Parce que c'est quand même les unités les plus puissantes et c'est pas pour rien. Hein? D'abord. Oh, ça va être long. Il faut contourner toutes les montagnes. Je parie qu'on fait ça. On va faire un truc comme ça. Sans saut où? Je suis où? Oh, j'en suis qu'à là. Mon dieu. Vous savez quoi? Je crois que je vais couper la séquence et puis je vous retrouve s'il y a quelque chose ou quand je suis arrivé. Allez, à tout de suite. Allez, on y est, ça y est, enfin. Par contre, oh la vache, ils sont 30. Ben allons-y. Tenez, prenez l'argent et comptez-vous libérer la fille. On a la fille. C'est bon? Bon bah allons-y alors. Faut la ramener où? Traven! Bon bah je fais demi-tour alors. Hein. Oh mon dieu. J'en vais avoir pour longtemps encore. C'est reparti. J'ai pas eu de fight au beau milieu. Bon c'est dommage. Hein. Oh là là, faut tout refaire. En fait, ça va vite sur cette partie-là, mais alors le reste, ça va, mais super lentement. Il y a trop de collines, en fait, il y a trop de bois, trop de collines, c'est assez affreux. Voyez, j'en suis déjà là, là. Bon, bah, je recoupe la séquence et puis je retrouve dès que je suis à Braven. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends, il y a des bandits des forêts, on va essayer de se les faire. Allez, un petit peu de fight, il faut vraiment qu'on s'entraîne. 4,9, j'espère qu'ils vont pas aller trop loin, je voudrais quand même aller à Braven. Vous pouvez pas être... tourner un petit peu là, allez 4 9 5 4, on va les choper mais ça va être long quoi. Oh allez, vite que ça, on est parti là. Par contre 20 ça va pas être facile. Renommée 3, avancée de 10 points. Qu'est-ce que je fais? Oups, c'est pas ça non plus. Suivez-moi. Allez, ça va pas être facile tout ça. Ils sont 20, ça a beau être des bandits des forêts, c'est quand même 20 bandits. Oups, wow. Allez, je recharge. On va attendre qu'il passe l'eau. Allez, venez. Oh, 12 points de dégâts. Ah, mais c'est des bandits des forêts, ouais. Oh là là, la fille, t'as pas intérêt à crever, parce que je t'ai pas sauvé pour que tu crèves. Bon, d'accord. Je vais pas y arriver, on va faire ça comme ça. Ils arrivent pas à se toucher, hein. Oh mon dieu. Alors là, faut vraiment que je fasse gaffe. Recrue soidienne a été tuée. Faut vraiment que je fasse gaffe. Parce qu'il faut pas que je meure. À charger un petit peu. Fikan Nipper a été assommé. Bon, d'accord. Ouf. Touché, je l'ai même tué. Bon. J'ai infligé que 8 points de dégâts. Quoi ce bordel? Tué. Oh, en fait c'est pas facile, hein, honnêtement. Ah zut, c'est pas le moment. Tais-toi. Ah. Des fois je me dis que j'ai envie de l'enlever le chrono, mais après sinon je ferai des épisodes de 20 ans.
Enfin 1000 minutes, c'est un peu bizarre. Il en reste ? Il semble... Ah, qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui ? Par contre, on a été bien amoché, hein. Oh, 4 points de dégâts. Oh ! Oh, le salaud ! 4 tués, 4 blessés. Oh non, oh c'est nul. Bon, par contre, on a des bons trucs. 4 tués, bordel. Oh, oh. Non. Plus, ils n'ont pas des super trucs. Oh, je suis dégoûté. Soldats sont prêts à être promus, j'espère que c'est des bons. Hein. Fantassin, homme d'armes. Milice. Fantassin, tirailleur. Voilà. Homme d'armes. Chevalier. Enfin, des cavaliers quand même. C'est pas rien. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Ouais, ah, mais non, ça fait déjà 20 minutes. Ok, bon. Bah, on arrête là. J'espère que ça vous aura plu. On a eu pas mal de fights. Il faut vraiment qu'on va... On va vraiment se battre dans les prochains épisodes. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait ces 5 chevaliers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé avec vos amis sur les réseaux sociaux, à venir en discuter avec moi dans les commentaires ou sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et puis voilà, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Salut à tous.